Salut, allez, on se retrouve ici pour une vidéo sur en fait la fin du championnat sur Ace Room à la CFR. Donc le but ici c'est pas de critiquer ou autre, c'est de faire un petit bilan. Après c'est 6 manches où on s'est vraiment bien amusé, bien tiré à la bourre. Je vais faire un peu de résumé de l'ensemble, je vais pas reprendre les courses une par une. Donc là j'enregistre, on est lundi, donc la course s'est terminée hier dimanche, la 6e course sur Spa où il y a eu beaucoup beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis désolé, la vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a eu forcément les deux courses, la course de 20 minutes, la course de 40 minutes, et vous allez voir que c'est passé pas mal de choses et il y a eu pas mal de rebondissements. Moi-même, j'ai eu un peu l'ascenseur émotionnel parce que vous allez voir, là je vais vous mettre le classement avant la manche. Donc c'était premier Tom Oliveto, impossible de rattraper, qui d'ailleurs on peut le dire maintenant, et champion de ce championnat, ouais, c'est comme ça que ça se dit. Champion du championnat donc DTM 2016 à la CFR, donc il fait partie de la DT3 Racing. Ensuite, il y avait David Lespès qui était deuxième, qui n'a pas couru hier, donc ça me laissait un peu la porte ouverte puisqu'il avait 850 points et moi 832. Je regardais mes petites notes en même temps. Et derrière moi, donc j'étais troisième à la fin de la 5e manche, et quatrième Guillaume Écoute qui avait 820 points, donc autant dire à 12 points de moi avant cette manche. Donc ça vous remet un peu dans le contexte avec les points qu'il peut y avoir. Il y avait du coup qu'un seul split, donc on devait être 35, 36, je sais plus. Et du coup, il n'y avait plus l'assurance d'avoir un minimum de points par rapport au fait qu'il y avait deux splits. Voilà, toutes les cartes étaient un petit peu redistribuées. Et je ne vous cache pas que c'était pas simple. Donc ce qu'on va faire, on va se laisser regarder le résumé, parce que je n'ai pas laissé les courses complètes de cette première course. Et puis ensuite de la deuxième, et on fera un débrief un peu de cette course et de ce championnat. Alors on est P11, au vu des qualifs, très compliqué puisque paradoxalement, eh bien il y a de la place sur Spa. Eh ben non, j'ai pas réussi à faire un bon temps. Alors on va essayer de pas se louper, on va essayer de pas trop déraper. Allez, on passe la première, c'est parti. Vous voyez du monde. Floor it. Car right. Clear right. Right side's clear. You're in the middle, three wide. Clear left. On your right. Allez. À fond ici, monsieur. Yellow flag. Car right. Green flag, all clear. Hold your line. C'est dingue. Clear right. Car right. On your C'est right. dingue. Hold your line. He's still there. Car right. Ouais, moi je laisse passer. Still there. Right side's clear. Il n'y a rien à carrer. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Allez. On reste dans sa course. Il va bientôt y avoir le DRS qui va faire un peu le juge de paix de tout ça. Je regarde derrière qui est là. Ils font peur les petits gars. On va se mettre là. Yellow flag, stay sharp. Ouh là là là, on marche arrière, enfin en sens inverse. Ouais, je regarde souvent derrière, hein. J'ai peur du freinage.
left side. Clear left. Quand même pas mal de petites fautes, hein. Allez, le petit RS. Sortie de Rédillon. On assure, hein. Faut pas le passer n'importe où. Ah, j'aime pas ça. Ah, je me décale, il faut y aller un moment. Encore deux RS à placer. Ouh, j'ai failli la perdre. Ouh, j'ai failli la perdre. Allez, le DRS ici. J'ai failli la perdre en mettant la deuxième. Parce qu'il a le circuit mais pas très optimisé, j'ai l'impression, ou alors c'est le fait d'avoir du monde dans le sur cette portion, parce que là au niveau des stands ça rame pas mal. Et avec tout ça, mais j'ai plus de DRS, hein. Ça fait chier. Début de course clairement pas à mon avantage. Celui de devant. Allez, il faut que je le rattrape là. Sous la seconde. Le freinage peut-être. Ah, il est bien revenu, hein. Toujours pas, et derrière il l'a. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est serré. Là, il va me bouffer. Moi, je vais rester là. Ah, c'est logique, hein. Sector 3 est clair. Ne vous inquiétez pas. Nous allons le back.
Derrière, il y a un peu plus d'une seconde, ça va dépendre du freinage. Non, mais sérieux! Mais sérieux! Mais non! Je vais attendre. Désolé, mais putain. Ah, je perds de nombreux points là. Putain, Seb, tu fais quoi, bordel? Ouh là là là. Ah, quelle première course de merde. Assure-moi, dis-moi que tu vas le passer à fond, ça. S'il te plaît. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi, ça? Tu t'es démonté ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas, mais là... Seb... Voilà, donc vous venez voir la course, j'ai pas mis en intégralité, vous avez vu, il y a eu pas mal de bagarres, cette première manche qui était très très compliquée pour moi. Alors, est-ce que c'était la pression, est-ce que c'était l'envie de bien faire, je sais pas. En tout cas, vous avez vu sur le raidillon, j'étais peut-être trop proche, j'avais pas mis le DRS, mais je me suis certainement fait déventer à fond d'accélérateur et j'ai tapé le mur. Alors, à ce niveau-là, je me suis dit, c'est mort. Je savais très bien que mon poursuivant direct, Guillaume, lui était devant. Donc je me suis dit ça va être très très compliqué. J'ai pas abandonné, heureusement pour moi. Le fait est que le moteur n'était pas cassé, très endommagé. Il restait à peu près 2 tours, 3 tours à faire. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, je vais piter, je pite pas, je répare pas. J'ai pris la décision de rester en piste parce que ça aurait mis trop de temps très honnêtement à réparer. Comme j'arrivais quand même à rouler, je me suis dit on reste en piste et effectivement, en tout cas j'ai fini 23e. Donc ça permet quand même de marquer des points. Donc avant d'entamer la deuxième course de 40 minutes avec arrêt au stand obligatoire, j'étais pas serein du tout. J'avais même un petit peu pas perdu espoir, mais voilà, je crois que Guillaume a fini 5e, 6e, je sais plus, il a fait un très bon résultat. Et du coup, voilà, ça le mettait clairement avant cette deuxième course devant moi au championnat. Donc
Voilà, comme je savais pas, je commençais à faire des calculs dans ma tête, je me suis dit, allez, c'est pas grave, laisse tomber, on va essayer de se remotiver, sachant que le départ de la deuxième course est déterminé par l'arrivée de la première. Donc je démarre 23e. Donc vous voyez un peu, tout ça, ça se mélange un petit peu, donc c'est un peu compliqué. Donc on regarde le résumé de cette deuxième manche qui est assez longue, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, on fait le débrief en fin de course, sur la course en elle-même, sur la soirée et sur le championnat. Allez, c'est parti, deuxième course, 40 minutes, pit obligatoire, et comme vous voyez, on se retrouve tout au bout, tout au bout, tout au bout. Bon, les gars, s'il vous plaît, faites attention. J'ai pas encore une fois envie de me retrouver à esquiver les quilles. Déjà sur la manche précédente, ça m'a failli me coûter deux gros crashs, et là, clairement, il faut que je remonte. Le peloton à fond de balle. 40 minutes. Allez. Get ready, mate. Let's go. On your right. Hold your line. You're still there. Three wide, you're in the middle. Clear right, you're in the middle. Clear left, yellow flag, stay sharp. Vous roulez les gars, vous attendez. Allez, on va encore devoir lâcher. Tant pis, on va tout droit. C'est pas possible. Allez, la chance est peut-être tournée. Allez, il faudrait déjà que j'esquive, pardon, je vais y arriver. Le DRS derrière, mais bon, visiblement c'est Christian, donc autant vous dire, il va me doubler comme si j'étais en deux chevaux. Voilà, il en a bien profité. Profiter que j'étais trop généreux. Mais c'est sérieux les gars ou quoi? Ah, je sais pas.
C'était une soirée WF Breakfast, je savais pas. Allez, concentration, efficacité, sérieux, ça va payer. Just a few more tenths for DRS range. Brouiller du monde. Et du coup maintenant j'ai peur en rayon. Oh la même que moi. Ça va faire mal ça. Ça c'est l'occasion pour moi. C'était mon poursuivant je crois direct au championnat. Là Seb, laisse pas passer ta chance. Et là j'ai oublié complètement le DRS. Je m'en retrouve avec 3. Après l'avantage c'est qu'il y en a au stand pour lui. Mais ça va complètement changer sa stratégie. Freinage gauche-droite. Ah, il l'a mis aussi, je crois. Ah, je suis sur la réserve, hein. Je suis pas totalement serein. C'était chaud. Allez,
Ah, je peux plus le mettre. Ah, c'est Christian qui est revenu. Ah non, je sais pas comment ça se fait, une erreur dans le... Il s'est encore planté Christian, je sais pas. Il était devant, après derrière. Ouh, je l'ai peut-être mis un peu tôt là. C'est pour rester collé devant. Mika est revenu. Hein. Oh, Christian. Sector 2 is clear. Car behind now on DRS. Right side, yellow flag, sector 1. Clear right. Je préfère laisser passer, de toute façon il va y arriver. Quitte même à gêner les autres devant. Allez, on le passe. 26 minutes qui restent. Ah, c'est chiant, tu perds du temps, t'as pas de visibilité. Le 4 bagnoles, qu'est-ce que tu veux doubler? À moins d'être opportuniste. Ne pas avoir peur. Je sais pas, soit il n'y a pas peur à Christian, soit c'est Moïse, hein, je sais pas, mais tout le monde lui ouvre la porte. Stay sharp. Car right. Incident clear. Green flag. Still there. Still there. Clear right. Te rabats pas. Te rabats pas. Putain, il se rabat. Hein. Left side. Hold your line. Clear left. Garcin just retired from the race.
Allez, Aspi, DRS, on y va. Il doit l'avoir aussi. Puis on le met ici. Ouh, j'ai failli la perdre. Ouf. Ah. Allez, il y a moyen de marquer de gros points. Méfier avec le pneu gauche. Oh, tu l'as mito, ça, tu l'as mito. Allez, on y va. C'est un peu loupé. Attention. Doublé là, mais sérieux, mais... Allez, on est arrivé à la mi-course, il va me rester ouais, largement de quoi au niveau des... au niveau du carburant. Je me méfie, voilà, du pneu gauche. Donc ça a pité, je suis troisième provisoire.
Voilà. Pas de carburant, c'est clair. Ah, je suis tout au bout, je crois. Je sais pas si c'était la bonne stratégie. On verra bien. We're done. Go, go. There's traffic behind. Keep your wits about you. Car left. Clear left. Et on ressort P6. Il y a personne derrière. Comment il revient dans cette portion. On va mettre son DRS ici. Là, il l'a enlevé. Pas dû mettre là. J'aurais pas dû, mauvaise gestion. Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Ouais, mais hors piste, mais je suis obligé. Faut bien que je l'évite. Hein. Moins de 10 minutes, les gars. The gap in front is increasing. It's now 1.4 seconds. Ah, ça revient derrière. Chaque point est important. Il faut que je reste 5e. Quand même eu pas mal de dégâts.
Ouais, j'ai pris bien plus tôt là. Je vais pouvoir me replacer devant. Pas la peine. Oui, il m'a fait peur. En drift. Le podium est à 4 secondes 2. Merci. Cinq minutes, deux tours, je pense. DRS, je viens de le voir. C'était risqué, franchement. Manœuvre chaude, mais il est mieux sorti, donc il a eu raison. Et je l'avais vu de toute façon. Gauche, droite, gauche, droite. Ouais, j'ai lâché, hein. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Allez, on fait la même. Thank you.
Et pendant ce temps-là, c'est le P3 qui est tout content. Ah, celui-là, le double gauche, il se prend bien plus vite. Hein. Moi, je relâche trop. Alors on va rattraper un petit peu le retard, on va essayer de revenir sous la seconde. Il va rester un ou deux tours. Ouais, je vais encore la voir. Alors, à fond ou pas à fond? Ah, c'est pas pour gagner beaucoup de points, donc est-ce que ça vaut le coup? Ah, là, j'ai bien placé. Deux secondes 8 devant. En même temps, il a pas de DRS. Et nous, on fait que ça depuis tout à l'heure. Allez, on va le placer ici aussi. Ah, ça donne envie ce podium devant, mais il y a aussi derrière, donc... J'ai loupé mon freinage. Ah, il va peut-être pas revenir sur le freinage là-bas. Ah, il me manque un petit DRS. Ah, il faut bien le passer. Allez, allez. Ah, il va le passer ici. Incident sector 3, sector 3 is yellow.
Je me mets à l'extérieur parce que de toute façon, il va l'enlever son... Ah, c'est chaud. Oh non! Non! Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bien joué. Franchement, pas trop grand chose à dire. On va regarder au niveau des résultats parce que c'est quand même très important. Voilà, vous venez de voir cette deuxième manche qui s'est passée, on va dire assez bien pour moi. Ça a été chaud du début à la fin. C'est vrai que cette catégorie elle laisse pas mal de suspense avec le DRS, la gestion des tours, savoir si on va avoir le DRS ou pas, si on va être à la seconde ou pas. Donc j'ai fait une belle course, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, j'ai repris un peu confiance en moi au fil des tours, toujours avec la peur, la crainte de faire un crash, de sortir en raidillon, enfin bref, de casser la voiture. Et vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment j'ai dit ouais super Guillaume, écoute il se sort là, au même endroit si je me rappelle bien, ou je sais plus l'endroit où moi je me suis sorti. Enfin bref, ça voulait dire que voilà la tendance s'est inversée et que c'était à moi de bien faire cette fois-ci. Chose qui s'est avérée vraie parce que je termine 5e et lui je crois qu'il a fait DNF. Donc au final du coup je termine, si j'ai compris bien l'histoire, 2e de ce championnat. Alors pas parce que je suis meilleur, bien, bien loin de là, parce qu'il y avait des gars bien meilleurs que moi sur ce championnat. Thomas Oliveto il est bien devant. Qui c'est que je vais dire, David Espèce, enfin il y en a plein, Christian Garcin, Yann Péfer, enfin bref, je ne peux pas tous les citer. Il y en a qui n'ont pas fait toutes les manches, donc déjà ça c'est ça les pénalise directement. Il y en a qui ont des soucis de matériel, hein, notamment Christian. Petite dédicace. Donc voilà, en gros. On va dire que tout s'est bien aligné pour moi, finir deuxième. Voilà, encore une fois, du coup, ça laisse aussi un espoir à tout le monde. C'est qu'il ne faut pas forcément être le plus rapide. Il suffit déjà d'être constant et puis de ne pas faire trop d'erreurs. Et ça permet de tirer son épingle du jeu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fini deuxième. Suite à ça, on va faire un petit débrief du championnat. Ce que moi, j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé. Alors, encore une fois, hein, c'est pas une critique. Je remercie d'ores et déjà Michael Loeb par rapport à l'organisation du championnat. Vous savez tous, il y avait quelques difficultés. Donc voilà, il a été aidé par les membres de la team CFR. Mais ce que moi j'aurais aimé, ce que j'ai trouvé un petit peu plus gênant dans le championnat, ce que j'ai trouvé plus gênant, c'est qu'en fait, il y a les règles du jeu qui ont évolué, entre guillemets. Il y a eu deux manches du championnat, donc sur les 6 où on a fait un seul split. Alors je peux pas leur en vouloir parce qu'en fait ça redistribue un peu le règlement et tu t'embêtes entre guillemets à faire du hot lap. Vous savez que j'ai horreur de faire du hot lap, donc forcément tu fais des tours, puis au final tu apprends qu'il n'y a qu'un seul split. Donc du coup, bien sûr, tu t'es entraîné, mais tu as fait peut-être plus de tours que nécessaire. Donc voilà, ça a été un petit peu gênant, mais c'est aussi par la faute des gens qui ne viennent pas. Ça, encore une fois, c'est le deuxième point. Alors on devait être je ne sais plus combien à la base, 46, 50, enfin bref, je ne sais pas. Et au final, on se retrouve avec quand même, je vais dire, 35 pilotes à la dernière manche. Mais bon, c'est vrai, et Mika en a parlé aujourd'hui sur Facebook. Les gars qui préviennent pas, ouais, je comprends pas. En plus, et je pensais que le fait de faire une donation, parce que pour participer au championnat, il fallait payer, enfin, il faut être soit membre de la FSCA ou soit il fallait faire une petite donation. Même en faisant ça, les mecs ne viennent pas. Donc ouais, je sais pas, il n'y a pas de solution. En fait, vous savez, hein, je vais à gauche, à droite au niveau des organisations, des teams. J'ai moi-même co-tenu une team et c'était la même chose. Voilà, ça fait du boulot en plus pour les administrateurs, ça fait du boulot en plus pour tout le monde. Et puis au final, les gens viennent pas, donc c'est très pénalisant pour tout le monde, c'est très chiant. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'est un autre point. Ensuite, par rapport au championnat, qu'est-ce que je pouvais dire? Bah, le fait d'avoir mélangé les splits, du coup, sur ces manches-là, bah, il y en a qui n'avaient pas l'habitude avec des gens qui roulaient un peu plus vite, voilà, et drapeau bleu pas trop bien respecté. Donc voilà, tout ça fait que le mélange n'a pas trop bien pris. Il y a eu, bah, notamment sur cette manche-là, sur Spa, je ne sais pas si c'est comment ça se fait, mais il y a eu énormément de DNF. Je crois qu'il y a eu au moins 10 DNF. Donc ça c'est pas trop possible. Enfin, honnêtement, quand tu vois sur le raidillon, sur les départs, course 1 ou course 2, il y a du crash. Ah, c'est pourtant, Michael avait fait le briefing d'avant-course comme il fallait, mais à chaque fois c'est pareil, hein, c'est pas propre encore une fois à cette team-là, c'est des courses, c'est comme ça, malheureusement. Ensuite, les gars qui
Je sais pas si c'est des nouveaux ou quoi. T'es en ligne droite, on en a parlé en débrief encore hier. T'es en ligne droite, bah le mec te serre. Alors soit il n'utilise pas les rétros, et auquel cas c'est con parce que tu as des touches à affecter, soit il n'utilise pas crew chief, et c'est con parce que maintenant tout le monde le connaît, ou soit il n'utilise pas le radar, le nouvel HUD de Race Room, et c'est con parce que c'est pas très compliqué non plus à installer. Voilà, bref, il y a trois solutions pour s'en sortir, pour savoir un peu où se placer dans l'environnement de Race Room et même des autres simulations. Je comprends pas aujourd'hui qu'en fait ces gens-là n'utilisent pas ces moyens-là. Je sais pas, c'est très pénalisant pour ceux qui essayent de rouler propre. Voilà, donc ça encore une fois, c'est dommage. C'est ce que je voulais dire. Et enfin, dernière chose, j'aimerais, parce que je l'ai déjà testé et ça marche plutôt bien, pour les futurs championnats, alors c'est une proposition, hein, c'est d'instaurer une manche bonus qui permettrait à tous ceux qui ne peuvent pas la faire, c'est-à-dire absence, maladie, blessure, problème matériel, problème internet, de choisir leur plus mauvaise manche du championnat et celle-ci, on l'annulerait. On annulerait les points. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, sur ce championnat-là où les points comptent énormément, ça devait être dans les 100 points par course, bref, je ne sais plus exactement, mais voilà, en fait, celui qui loupe une manche, c'est terminé pour lui. Alors bien sûr, les autres peuvent louper une manche, mais comme moi, bah, j'ai loupé aucune manche, j'ai fait aucun DNF, tant mieux pour moi, mais je veux dire... Du coup, bien évidemment, je ne me serais pas retrouvé deuxième du championnat. Parce que tous ceux qui auraient fait une mauvaise manche ou auraient été absents ou auraient eu un zéro, bah, auquel cas, là, ça aurait pu lisser un petit peu le niveau du championnat. C'est encore une fois juste à mon titre personnel, pas une demande, mais un souhait. Je trouve que ça devrait être instauré sur tous les championnats, enfin, ouais, peut-être pas mini-championnat de 4 manches, mais sur tous les championnats au minimum où il y a 5 courses. Je pense que ça permettrait d'essayer la chance à tout le monde bah de revenir et d'être à égalité si jamais il y a un souci. Voilà en gros, bah écoutez, désolé, cette vidéo était longue, très longue, mais en même temps le championnat a été très intéressant. Ça n'a pas attiré des foules non plus sur mon YouTube, sur mes rediffs. Mais bon, après, ce n'est pas forcément le but, hein. Le but c'est aussi d'échanger, donc bien sûr ça fait des vues, vous savez ce que c'est. C'est toujours mieux. Mais voilà, donc j'espère que vous allez la regarder, que ce soit une fois ou plusieurs fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que bon, savoir si vous me rejoignez sur ces différents aspects, ou alors si vous avez d'autres idées pour les championnats ou des courses. Voilà, en tout cas, j'espère peut-être faire le prochain championnat, je sais pas, en tout cas les Open. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne en vous abonnant. Et puis, bah, moi je vous dis à une prochaine. A plus. Tchuss.